Bonsoir à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo de Edge of Z Origin. Ce soir, nous allons parler de la récolte intelligente. Car en règle générale, on fait bête et méchant, on envoie ce que ça nous demande, ce que ça nous demande. Et en fait, non, il ne faut pas envoyer tout et n'importe comment. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes certainement tous dans une alliance avec ce qu'on appelle des mines élites. C'est ce genre de mines. Elles peuvent accueillir jusqu'à 5 personnes. Une récolte intelligente, c'est quoi? C'est quand vous envoyez, quand ça voudra marcher, là. C'est quand vous décidez d'envoyer une flotte sur une mine où il y a déjà d'autres personnes. Quand vous voyez ce qui reste dans une mine et que vous savez qu'il y a déjà, par exemple, comme là, trois personnes, vous pouvez déjà diviser ce nombre-là par trois, sans que vous ayez à envoyer quoi que ce soit. Si vous vous rajoutez à ce nombre-là, il faudra que vous divisiez donc les 138 par 4. Je vous explique pourquoi et c'est très très simple. Voilà ce que les autres ont déjà envoyé. 126, 63, 66, 141. Vous l'aurez compris. Quoi qu'il arrive, ils récupéreront grosso modo, car juste à côté du nombre de troupes, vous avez la capacité de chargement, 140, 144, 144, 146. Tout ça additionné, vous l'aurez compris, ça dépasse plus que largement la capacité totale de la mine, qui est de mémoire 144. À savoir que en par défaut, si vous avez évolué normalement, vous serez à une vitesse de récolte de 2000 heures. Ça ne change pas, ça changera très peu. La seule chose qui fera réellement fluctuer ce chiffre-là, c'est si vous utiliserez un bonus ou pas. Mais dans tous les cas, si la mine fait là comme là 137 et que du coup vous vous retrouvez à 4, vous ne pourrez jamais avoir les 137 et les autres qu'ils aient que très peu. C'est impossible. Une récolte intelligente, c'est quand on pense au nombre total qu'on va être dedans. Donc là, ils sont déjà 4 du coup. Je sais que ça fait 137, du coup je divise par 5 si je dois envoyer. Donc honnêtement, avec déjà tout ce qu'il y a dedans, là vous avez le nombre d'unités que j'envoie. Ici, la capacité de ma flotte. Ici, la capacité actuelle, donc quand j'ai cliqué, de la mine. Ça sert à rien de monter à 137 ou à plus. Vous ne récolterez pas plus vite. Vous récolterez de la même vitesse. Alors, au lieu d'envoyer la totalité des troupes, alors que du coup, vous savez pertinemment que vous aurez même pas 150 si vous arrivez à 33 ou 40. Ça sera déjà énorme. Mais moi, je vous recommande. C'est très simple. Il n'y a pas la petite calculette qui va bien? Hop. Elle est où la petite calculette? Oh, j'ai plus la petite bulle.
Voilà, elle est revenue. Alors, c'est. On prend la petite calculette. Comme ça, au moins, ça mettra le chiffre exact de ce qu'il faut mettre. 137 divisé par 5. Donc, vous voyez, 27,4. Donc, on voit que, en fait, même au final, si vous arrivez même à trouver une mine de niveau 6, je parle des petites, c'est en gros, c'est ce que vous pouvez avoir si vous arrivez à 5 sur une mine élite où vous avez 144 à récupérer. Donc vous voyez, on peut même mettre encore moins que ça. Voilà. Du coup, vous savez que vous pouvez envoyer que 127 000 troupes pour récolter 30 000. C'est ce qu'on appelle une récolte intelligente. Car vous optimisez réellement vos flottes. Après, là, je vous ai fait un exemple sur une sélection où on fait avec le pourcentage. Rien ne vous empêche de le faire directement avec la déchiqueteuse si vous voulez le faire que avec une seule catégorie de troupes. Voilà. Là-dessus, il n'y a rien de gênant. Vous pouvez faire ensuite envoyer et ça ira dessus. Bon, là, il y a déjà un copain qui est déjà là-dessus. Je ne vais pas l'envoyer, je vais l'envoyer autre part. Mais c'est la même chose pour toutes les mines. Que ce soit des mines de minerai comme j'ai pris là, ou bien une mine de pétrole, ou de nourriture, ou d'acier. C'est la même chose. Du moment qu'on parle de mine élite, je vous invite franchement à faire ça. Parce que du coup, ça vous permettra d'avoir des troupes supplémentaires dans votre ville, si vous voulez en garder, soit pour vous défendre, soit pour défendre des copains, ou alors pour là, par exemple, si j'avais mis que 27, pour ceux qui ont un niveau un peu plus faible, ça vous permet d'avoir des troupes supplémentaires, si vous voulez envoyer directement, si vous voulez envoyer directement en récolte sur des mines classiques. Ah, ils sont tous déchaînés ce soir. Voilà, donc là vous le voyez, pour 40, pour 10 000 troupes, grosso modo, ça me fait récolter 43 000. Si j'avais envoyé quasiment une flotte presque complète tout à l'heure, ben, du coup, ça m'aurait enlevé des troupes non utilisées de l'autre côté, mais qui, du coup, ici, je peux utiliser. Attention, je ne dis pas que j'ai qu'une seule flotte. Actuellement, je fais deux flottes complètes et la moitié d'une. Donc, du coup, je peux envoyer pas mal en récolte. Voilà, du coup, vu que j'ai tardé, il y a quelqu'un qui a envoyé aussi. Décidément, c'est ma veine ce soir. Ils sont tous de sortie. On est quoi? On est dimanche? Ah ben oui, c'est vrai que demain on réattaque la semaine. Qu'est-ce qui peut vous permettre de récolter plus vite? Je le disais, il y a des bonus. Allez. Hop. Voilà, on va prendre l'exemple de celui-ci, ça ira très bien. Actuellement, il y a une personne à l'intérieur. Vous voyez qu'avec quasiment moins d'une flotte, je peux arriver à récupérer la totalité. Il y a déjà une personne dedans. Donc, ce chiffre-là, je devrais le diviser par deux si je vais dedans. Bon, ça fait 235 divisé par 2. Les virgules, on s'en fout un peu. Donc, ça fait 117. Donc, je mets.
ce qu'il faut pour récolter 117, 118, histoire d'arrondir, ce qui me permettra d'avoir la moitié. Dans tous les cas, si il y a d'autres personnes qui viennent aussi dans cette récolte, le chiffre de quand vous êtes arrivé où on a divisé par 2, forcément, s'il arrive entre-temps, ça sera divisé par 3. Donc du coup, vous n'aurez pas les 218, vous aurez moins. Quoi qu'il arrive, hein, c'est une entente à avoir avec les gars de votre alliance en fonction des mines. Je sais que dans certaines alliances, par exemple sur l'acier et le minerai, on est environ, on se met une à deux personnes pour pouvoir récolter au maximum, pour que ça soit intéressant. Passer trois personnes, hein, vous l'avez vu tout à l'heure, si on arrive qu'on est le quatrième, on arrive où on est à 28 pour une récolte, autant aller directement sur une mine à côté, ça va aller bientôt limite aussi vite. Hein. Donc là, on en voit du coup que la moitié, parce que de toute façon, à deux, on n'aura que cette partie-là qu'on pourra récolter. Qu'est-ce qui peut faire à partir de là qu'il y ait une réelle différence? Faut que vous alliez dans l'info. Une fois que vous serez dedans, il y aura votre ligne. Ce serait bien qu'ils se dépêchent d'arriver. Je vais peut-être pas passer la nuit non plus. Hop. Désolé, j'ai pas de musique d'attente. 4, 3, 2, 1. Et il est dedans. Alors, vous le voyez ici, la vitesse de récolte est plus importante. C'est parce que c'est du pétrole. Ici, vous le voyez, j'ai un bonus qui s'affiche. 48 500 heures. C'est en plus de celui-ci. Pourquoi? Parce que, alors déjà, vous voyez, je n'ai aucun boost de ce côté-ci. Mais ce pourcentage-là, c'est par rapport à mes officiers. Pas tellement voir, faut que je surnommer, ça se verra mieux. Voilà. Vitesse de collecte, production, production, c'est pas celui-là, c'est son copain à côté. Je suis sur lequel? Celui-ci. Alors, c'est même pas dans les officiers, du coup, que j'ai ce pourcentage-là. Donc, ce pourcentage-là, je l'ai par rapport à mes options que j'ai ici. Vitesse de collecte pétrole, plus 15. Bon, comme ça, vous en avez plusieurs, je n'ai pas cliqué dessus partout. Vous l'aurez compris, à chaque fois que vous avez ces bonus-là, du coup, ça vous permet de récolter plus vite. Je vais en profiter, je vais mettre celui-là. Hop. Donc, grâce à collecte de pétrole 1 et 2, je crois pas qu'il y en ait plus, je récolte plus vite. Mais il y a aussi la partie de prospérité. Vous voyez ici, bonus de vitesse de collecte, plus 70%. Au jour d'aujourd'hui, vous le voyez, niveau de prospérité, je suis à 15. Je suis au taquet. Donc je suis à plus 75%. Donc il y a ça aussi qui joue. Et de mémoire, là-dedans,
Non, là-dedans, il n'y a rien du tout en rapport avec la récolte. Donc vous voyez, déjà naturellement, j'ai du boost. Après, si je veux réellement encore augmenter, il suffit que je passe sur lui, vitesse de collecte, collecte de pétrole, tout simplement. Hop, je le rajoute. Là, du coup, vous l'aurez compris, collecte plus 6,5 plus 3,9, étant donné que c'est du pétrole, les deux s'additionnent. Le deuxième, vu que ça correspond à sa deuxième étoile, vous pouvez utiliser des compétences supplémentaires. Attention, quand vous décidez de faire oublier, vous récupérez une partie de ce que vous avez mis, mais pas la totalité. Donc là, vous le voyez, je crois que de mémoire, on a même augmenté. On est à 48 500. Si je veux encore augmenter, il suffit que j'utilise des boosts de collecte que j'ai gagnés jusqu'à présent. Là, vous le voyez, vitesse de collecte de 50% pendant... Là, je l'ai mis pendant 3 heures. Ça dépasse même le quota qui est marqué. Et là, vous voyez, le compteur, il est passé de... Je sais plus à combien il était. Je crois que c'était 48 500 à 61 000. Grosso modo, il n'y a que là-dessus que vous aurez une réelle différence. Bon, ouais. Bon, désolé pour l'explication, j'ai dû me planter dans le quota que j'ai envoyé, j'ai dû oublier un devant, mais ça change rien pour l'explication qui allait avec. Donc là, vous voyez, du coup, il y en a un autre qui veut venir. Retrait, retrait, je vais plus profiter d'utiliser ça. Hop, hop, hop. Hop. Et j'avais oublié un 1. Ah, ben oui, je sais où je me suis trompé. J'ai oublié un chiffre dès le départ. C'était 2, 3, 3, 5. Donc c'était divisé par 2 au départ. Donc, il aurait fallu que je mette ça au départ. 1667. Là, du coup, vous avez vu, il y a un troisième qui arrive. Donc, ça sert à rien que je divise par deux. Mais que je divise par trois directement. Donc, du coup, ça fait du 800. Vu que j'ai du boost, je peux même augmenter, parce que je devrais même arriver à les avoir. Alors ça sert à rien non plus d'augmenter comme un fou. Voilà. Et vous envoyez. Essayez d'envoyer intelligemment en fonction du nombre de personnes qu'il va y avoir dedans. Ça vous permettra d'avoir des troupes à envoyer autre part en récolte, car si là par exemple j'avais envoyé une flotte complète dès le départ, ben, si j'avais fait ça sur 3 mines, ben, j'aurais même pas eu assez pour la troisième. Alors voyons du coup si entre-temps il y a eu des petites mines. Voilà, là du coup je sais, bon après au niveau des troupes je suis assez large, mais imaginez-vous, c'est comme si là-dessus j'envoyais par exemple tout ça de troupes. Pour vous donner un exemple, en gros c'est ça. Ah oui, ça, y a du monde dessus. Mais au final, est-ce que avec les
173 000 troupes qui peuvent récolter quasiment 200 000, je récolterai 200 000. Non. Parce que la mine, elle pourra déjà d'une part ne pas me les donner. Et si c'était une mine élite et qu'il y avait déjà plein de personnes dedans, le chiffre qu'il y a de ce côté, je ne pourrais de toute façon pas l'avoir. Donc essayez de faire attention là-dessus pour ne pas vous faire avoir. Moi, c'est un conseil que je vous donne. Après, vous faites comme vous voulez. Je suis là pour vous donner des conseils. Après, vous êtes libre ou non de ne pas le faire ou de faire autrement ou d'écouter d'autres personnes en fonction de ce qu'ils vous ont dit. Chacun fait comme il veut. On est en France, on est tous nés libres et égaux. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne, excellente soirée. Je vous invite, comme toujours, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne et à lâcher un petit pouce, ben, parce que ça fait toujours plaisir. Allez, ciao ciao, bye bye!